Good evening and welcome to this joint press conference of the Ministries of Communication, Higher Education, Secondary Education and Basic Education on the resumption of classes on Monday, the 1st of June, 2020. The panelists tonight include the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, the Minister of Higher Education, Professor Jacques Famundongo, the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyonga, and the Minister of Basic Education, Professor Laurence Etundi Ngwa. The ministers will present preliminary statements, and then the floor will be open to journalists to ask questions. We begin with the preliminary statement from the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi. Good evening, Thank you. Sir. Thank you, Madam. Mr. Minister of State, Minister of Higher Education, Mr. Minister of Basic Education, Madam Minister of Secondary Education, distinguished media professionals, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for your presence at this joint press conference, which will be focused on school reopening on June 1st, 2020 in all levels of education and mainly on the set of measures prescribed by the government of the Republic with a view to ensuring the health security of pupils, students, and teaching staff in the current context marked by the coronavirus pandemic. This government communication, therefore, aims to inform and reassure the national education community about the measures taken by those responsible for the various levels of education to enable pupils and students to complete their academic year without running the slightest risk of jeopardizing each other's health in any way whatsoever. In this regard, I am particularly pleased to welcome in this auditorium of the Ministry of Communication the members of government who are directly responsible for the education and training of our young fellow citizens at the basic, secondary, and higher levels, namely the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famundongo, the Minister of Basic Education, Professor Laurent-Serge Etundi Ngwa, and the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyonga, whose presence here I have the pleasure to acknowledge and to whom I extend a very warm welcome. Your Excellencies, ladies and gentlemen, as you are all aware, within the framework of the effective implementation of the National COVID-19 Response Strategy, prescribed by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, on March 17, 2020, the Prime Minister, Head of Government, His Excellency Joseph John Guti, in his special communication on the first 13 barrier measures that then enacted by the government to deal with the coronavirus, had, on instruction of the Head of State, prescribed the closure of all nursery, primary, secondary, and higher education schools throughout the national territory. After several weeks of evaluation of the pandemic situation in our country, and in the face of a twofold requirement, relating on the one hand to the health response to COVID-19, and on the other hand to the absolute necessity of ensuring that our young learners at primary, secondary, and university levels
do not have to endure the torments of a truncated academic year because of the ongoing health crisis. The government has assumed its responsibilities by choosing to organize as of June 1st, 2020, that is, as of next Monday, a reopening of schools, which obviously accounts for the specific and special context of the coronavirus pandemic. In this regard, it is worth noting the two priority issues for the government, for which specific directives were issued by the President of the Republic and widely relayed by the Prime Minister, head of government, namely, ensuring the smooth completion of the school and academic year in the 10 regions of our country, scrupulously ensuring the health safety of our children, pupils, and students throughout the country. These are the two imperatives whose importance everyone can assert. Moreover, the choice made by the government of the Republic is the result of a broad consultation at different levels, during which several opinions were sought and considered. Likewise, the final decision, which was aimed at preserving the school and academic year for a section of the school and student population, in particular pupils and students in official examination classes, was carefully analyzed. Of course, in parallel with the set of measures already put in place for the resumption of classes, substantial steps have also been taken to anticipate the risks associated with the coronavirus pandemic, which obviously continues to be a concern for our country. In any event, the government of the Republic reassures the educational community that the officials responsible for the various educational bodies are mobilizing themselves efficiently and optimally to ensure that schools reopen safely, not only for the pupils and students, but also for the teaching staff. Therefore, ladies and gentlemen, to enable you to have a better appraisal of the state of preparations within the education family in Cameroon, I shall now give the floor in turn to the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo, the Minister of Basic Education, Professor Laurent-Serge Etoningwa, and the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyonga. I thank you for your kind attention. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre de l'Éducation de base, Madame la ministre des Enseignements secondaires, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse conjointe centrée sur la reprise des classes le 1er juin 2020 dans tous les ordres d'enseignement et principalement sur l'ensemble des mesures prescrites par le gouvernement de la République en vue de garantir la sécurité sanitaire des élèves, des étudiants et du personnel enseignant dans le contexte actuel marqué, comme vous le savez, par la pandémie du coronavirus. La présente communication gouvernementale vise donc à informer et à rassurer la communauté éducative nationale sur les dispositions prises par les responsables
les différents cycles d'enseignement afin de permettre aux élèves et aux étudiants de parachever respectivement leur année scolaire et académique sans courir le moindre risque d'hypothéquer l'état de santé des uns et des autres, de quelque façon que ce soit. À cet égard, je me réjouis particulièrement d'accueillir dans cette salle auditorium du ministère de la Communication les membres du gouvernement auxquels incombe la responsabilité directe de l'éducation, de la formation et de l'encadrement de nos jeunes concitoyens, aussi bien au niveau de la base, du secondaire que du supérieur, à savoir Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famenongo, Monsieur le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Edoningwa, et Madame la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova-Lyonga, dont j'ai le plaisir de saluer la présence ici et auquel je souhaite une très cordiale bienvenue. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre efficace de la stratégie nationale de riposte contre le COVID-19 au Cameroun, prescrite par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, le 17 mars 2020, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Joseph Dion Nguté, lors de sa communication spéciale portant sur les premières mesures barrières alors édictées par le gouvernement, soit 13 au total, pour faire face au coronavirus, avait sur ordre du chef de l'État prescrit la fermeture de tous les établissements de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur sur toute l'étendue du territoire national. Après plusieurs semaines d'évaluation de la situation de la pandémie dans notre pays et face à une double exigence liée d'une part à la réponse sanitaire apportée au COVID-19 et d'autre part à l'absolue nécessité de veiller à ce que nos jeunes apprenants au niveau scolaire et universitaire n'est à subir les affres et les conséquences d'une année de formation tronquée du fait des contre-coups inhérents à cette grave crise sanitaire, le gouvernement de la République a pris ses responsabilités en choisissant d'organiser à compter du 1er juin 2020, c'est-à-dire dès lundi prochain, une reprise des classes qui intègre forcément le contexte spécifique et spécial de la pandémie du coronavirus. À cet égard, il y a lieu de noter les deux enjeux prioritaires pour le gouvernement et pour lesquels des directives particulières ont été données par Monsieur le Président de la République et amplement relayées par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à savoir permettre un parachèvement harmonieux de l'année scolaire et académique dans les 10 régions du pays, veiller scrupuleusement à la sécurité sanitaire de nos enfants, nos élèves, nos étudiants, ainsi que du corps enseignant sur l'ensemble du territoire national. Deux impératifs dont chacun peut mesurer l'importance. Au demeurant, le choix fait par le gouvernement de la République procède d'une large concertation et à plusieurs niveaux, au cours de laquelle plusieurs avis ont été sollicités et pris en considération. De même, la décision finale allant dans le sens de la préservation de l'année scolaire et académique d'une frange de la population scolaire et estudiantine, notamment les élèves et étudiants en classe d'examens officiels,
a-t-elle fait l'objet d'une analyse minutieuse? Bien évidemment, parallèlement au train de mesures déjà mises en place pour la reprise des classes, des dispositions conséquentes ont été également prises en vue d'anticiper sur les risques liés à la pandémie du coronavirus, qui continue bien sûr d'être une préoccupation pour notre pays. En tout état de cause, le gouvernement de la République rassure la communauté éducative quant à la mobilisation efficiente et optimale des responsables des différents corps de l'éducation. En vue d'une reprise des classes sécurisées, non seulement pour les élèves et les étudiants, mais aussi pour le corps enseignant. Aussi, mesdames, messieurs, pour vous permettre de mieux apprécier l'état des préparatifs au sein de la grande famille de l'éducation au Cameroun, aussi vais-je à présent donner la parole tour à tour à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famondongo, à Monsieur le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etoningwa, et à Madame la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova-Lyonga. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci, Monsieur le ministre de la Communication, président de séance. Je vais donner la parole. Je voudrais, à la suite de mon collègue et ami, le ministre de la Communication, je voudrais rassurer les Camerounaises et les Camerounais sur la reprise effective des cours en présentiel dès lundi. J'ai tenu plusieurs réunions de concertation avec les membres de la communauté universitaire, aussi bien avec la conférence des chefs des institutions universitaires élargie aux instituts privés d'enseignement supérieur, aux établissements à statut particulier, à savoir l'INJS, l'École nationale supérieure des travaux publics, SUPTIC et l'INAFI qui est à Limbé, mais aussi avec les institutions universitaires internationales basées au Cameroun, à savoir l'Université panafricaine, l'Université inter-État Congo-Cameroun, l'African Institute of Mathematical Sciences basée à Limbé. J'ai également tenu des réunions de concertation avec les syndicats, avec les associations d'étudiants et avec le personnel d'appui. De toutes ces concertations, il se dégage une ligne maîtresse, une idée maîtresse, à savoir les universités publiques et privées, nationales ou internationales, ont pris toutes les dispositions requises pour que la rentrée soit effective dès lundi. Il y a d'abord des dispositions d'ordre sanitaire. Naturellement, vous le savez, l'heure est grave. Nous vivons une situation inédite dans l'histoire de l'humanité et à travers le monde. Savoir cette crise sanitaire qui induit de nombreux décès, de nombreuses hospitalisations et qui bouleverse le fonctionnement des universités. Le ministre de la Communication l'a dit à bon escient, le chef de l'État a ordonné la fermeture des universités. Mais je dois préciser que cette fermeture était liée aux cours
en présentiel. Puisque, comme vous le savez, il y a également le e-learning, les cours en non-présentiel, qui ont continué normalement, parce que le chef de l'État a doté les universités publiques et privées de l'outil Internet et surtout de 500 000 ordinateurs pour les étudiants. Le chef de l'État a également construit 10 centres de développement du numérique universitaire, ce qui permet donc aux universités de s'arrimer résolument à la modernité cybernétique. C'est la raison pour laquelle nous avons pu continuer à dispenser des enseignements en non-présentiel, c'est-à-dire avec l'outil cybernétique. Mais à partir de lundi, les cours en présentiel vont donc reprendre. Et j'ai pu dire que toutes les mesures de sécurisation sanitaire prescrites par le gouvernement de la République sous la haute autorité du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, et l'OMS, toutes ces mesures seront rigoureusement appliquées dès lundi. Il ne faudrait donc pas que les parents, les tuteurs aient quelques appréhensions relativement à la reprise des cours en présentiel. Non seulement toutes les mesures d'ordre sanitaire ont été appliquées, actuellement la plupart des universités sont en train de procéder à la désinfection des amphithéâtres, des salles de cours, des salles de TP, des salles de TD, des laboratoires, des blocs informatiques. Mais encore, la plupart des établissements à caractère scientifique et technologique, je citerai par exemple les écoles normales supérieures d'enseignement technique, les IUT, les facultés de médecine, les écoles nationales supérieures polytechniques, les facultés des sciences, tous ces établissements sont mis à contribution pour la fabrication de tout le matériel requis pour éviter une contagion exponentielle du coronavirus dans les campus universitaires. Au plan strictement pédagogique, les universités ont tenu compte de la nécessité de ne pas dépasser le nombre de 50 étudiants par salle, tout simplement en procédant à la rotation des enseignements et des enseignants, en procédant à la segmentation des effectifs. Vous savez que les effectifs sont pléthoriques, il y a une massification des effectifs à l'heure actuelle, et les universités ont donc réaménagé les emplois de temps pour que des étudiants ne se retrouvent pas de manière pléthorique dans un espace concerné. Les examens se préparent également normalement dans le cadre de cette prescription. Donc, je peux dire que le ministre de la Communication l'a dit de fort belle manière, j'ai pu souligner que à partir de lundi, les classes vont effectivement reprendre. Bien sûr, il y a une grande flexibilité s'agissant de chaque université. Comme vous le savez, les universités jouissent d'une autonomie académique, administrative, financière. Donc chaque université est libre d'organiser les cours en présentiel dans le cadre de la flexibilité académique, mais en tenant compte des mesures restrictives, voire privatives, édictées par le chef de l'État et par l'OMS, et annoncées solennellement en deux temps par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais dire, pour terminer, aux parents et aux tuteurs de ne pas oublier que le président de la République a demandé que le port du masque
soit obligatoire dans tous les lieux publics. Il n'est donc pas superfétatoire de rappeler que lorsque l'enfant part de la maison, il est souhaitable, il est même recommandé qu'il soit muni de son masque de protection. Mais arrivé à l'université, il y aura des mesures qui seront prises, notamment pour le lavage des mains, pour les tests. Et les recteurs ont pris des dispositions pour que, en cas de suspicion relativement à la santé de tel ou tel étudiant, les centres médico-sociaux qui sont dans les universités puissent prendre en charge l'étudiant pour les soins de base avant le transfert éventuel de cet étudiant vers des centres hospitaliers appropriés et plus performants. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le ministre de la Communication, chers communicateurs, mais surtout je m'adresse aux parents, je m'adresse aux tuteurs, je m'adresse à l'ensemble de la communauté universitaire. Le président Paul Biya l'a dit, ne paniquons pas. Ne paniquons pas, mais ne soyons pas non plus laxistes ou permissifs en oubliant nous-mêmes de procéder à l'application des mesures restrictives prescrites par le chef de l'État et annoncées par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, et qui sont également mises en application, ces mesures, tous les jours par le ministre de la Santé publique. Voilà ce que j'avais à dire dans un propos liminaire. Merci, M. le ministre d'État, M. le ministre de l'Éducation de base. Je vous remercie, Monsieur le ministre de la Communication, de me passer la parole. Je voudrais, d'une manière générale, faire mienne les dispositions qui ont été évoquées tantôt par le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur. Quant à l'édiction des différentes mesures qui protègent les citoyens dans leur ensemble, et dans le cas précis, doivent être mieux encerclés pour les étudiants et les élèves. Je voudrais être beaucoup plus nuancé en ce qui concerne les élèves de mon ordre d'enseignement, parce qu'ils sont très jeunes, parce qu'ils doivent être accompagnés et parce qu'ils sont globalement, sur le plan sanitaire, ce qu'on appelle les porteurs sains. Cela veut dire, en des termes simples, que leur système immunitaire est flexible. Ils peuvent porter le virus, le transmettre, mais ils font difficilement la maladie, sauf si des comorbidités restrictives se démultiplient dans leur organisme. Je voudrais donc rassurer les parents, les familles, quant à l'encadrement de leur progéniture, qui doit commencer par l'encadrement familial et qui doit se poursuivre dans l'enceinte scolaire où les mesures édictées en termes de distanciation, en termes de mesures sanitaires, qui sont des mesures d'hygiène, sont une préoccupation pour nous. Je voudrais dire que nous avons effectivement, depuis des semaines, préparé ce moment à venir qui se situe au lundi prochain, s'il n'y a pas d'autres rebondissements quant à l'évolution de la maladie. Je voudrais également dire que nous n'évoluons pas en vase clos.
nous avons des pays du même niveau de développement qui présentent également des écosystèmes naturels proches du nôtre, qui sont dans la même logique que nous ou qui nous ont précédés. Certains de ces pays ont commencé des cours. Je voudrais donc rappeler aux parents que nous ne devons pas paniquer. Le chef de l'État l'a dit. Nous devons avoir la sérénité qui nous permettra de mieux encadrer nos enfants. Le premier ministre chef du gouvernement a donné les conditions sanitaires qui permettront aux familles d'envoyer leurs enfants à l'école. En ce qui concerne le ministère de l'Éducation de base, où les jeunes élèves que nous avons ne peuvent pas avoir les aptitudes technologiques aujourd'hui pour fabriquer certaines choses, nous devons les leur fournir. Le Premier ministre a demandé que les familles trouvent des masques à leur progéniture. Et au cours d'une intervention, à une question à moi posée par un de vos confrères journalistes, j'avais dit, je le maintiens, qu'un masque est quelque chose d'intime. Quand on le place, on ne le donne pas à quelqu'un d'autre. On doit y veiller. Parce que sur le plan purement physiologique, le masque doit être fonctionnel. Il doit permettre à ce que tous les micro-organismes, les poussières à l'échelle micrométrique puissent être stoppées. Si un masque présente un coefficient de porosité au-dessus de la normale pour la dimension d'un virus, on ne doit pas le faire porter à l'enfant. Donc, un masque est quelque chose d'intime, surtout pour les jeunes enfants. Les parents devraient les choisir. Au cas où cela ne se pourrait pas, l'administration a pris des dispositions pour que ces masques se retrouvent à l'école. Si on ne les a pas, nous avons des responsables qui sont en place dans toutes nos inspections, dans nos écoles, qui auront donc des masques qui devraient donc faire l'alternative à un manquement possible des familles. Ce que nous ne souhaitons pas. Mais les masques sont disponibles. Je voulais dire à cet effet que, en dehors des efforts, après maintes réunions tenues avec nos responsables des services centraux et déconcentrés, de nombreux efforts ont été faits dans les 10 régions pour qu'à la base, il y ait quelque chose. Et aujourd'hui, depuis hier, nous avons eu des cargaisons de matériel qui sont en pleine distribution au moment où je vous parle, dans les 10 régions du pays. Certains délégués régionaux nous ont quittés à peine une demi-heure, 45 minutes, qui repartent avec les cargaisons de ce matériel. Je profite de la tribune qui m'est donnée ici, monsieur le ministre de la Communication, pour remercier les groupes sociaux qui se sont organisés pour fournir certaines de nos familles en masques, en thermoflash, en gel hydroalcoolique et bien d'autres choses. Je voudrais également dire très sincèrement que dans ce mouvement, nous avons aussi eu l'aide de nos homologues. Nous avons reçu une cargaison de matériel du ministère de la Recherche scientifique qui les fabrique. Nous avons également des réserves chez certains de nos collègues, dont Madame le ministre des Enseignements secondaires, dont le savoir-faire des élèves n'est plus à démontrer. Nous avons eu la preuve lors du conseil de cabinet d'hier. Je voudrais enfin remercier nos partenaires au développement qui, jusqu'à ce soir, nous ont offert des quantités de matériel
suffisamment importante pour subvenir à d'éventuels manquements de ces objets dans nos établissements. Je voudrais enfin souligner quelque chose qui est fondamental avec les problèmes de distanciation, parce que c'est la condition la plus importante. Quand vous êtes loin de quelqu'un qui est infecté, le virus n'a pas les ailes. Il a généralement appui sur une surface où il a un nombre d'heures qu'il passe avant de disparaître lui-même. Alors, pour les problèmes de distanciation, je voudrais souligner aux médias nationaux que le secteur de l'éducation de base dont nous avons la charge a pratiquement 5-6 millions d'élèves cette année. Et il eût été particulièrement difficile et dangereux de voir toute cette population déferler dans les rues pour aller à l'école. Le fait qu'on ait réduit cette supposée déferlante à la présence uniquement des classes d'examen a résolu un très grand problème. Nous avons 19 000 écoles et nous aurons à répartir 497 000 candidats sur 19 000 écoles dans les 10 régions du pays qui vont reprendre les cours et aller aux examens. En termes d'espace, si vous voyez 19 000 écoles et 497 000 candidats, vous voyez vous-même que les moyens de distanciation sont suffisamment grandes et nous offrent des solutions. Je voudrais également souligner le fait que l'environnement de nos écosystèmes est tel qu'aujourd'hui, la pandémie est très fortement présente dans les villes. Certains des villages qui ne sont pas trop éloignés des grands centres sont encore dans une apparente quiétude. Et le vecteur étant l'homme, ce que nous craignons, c'est que, à travers certaines manifestations sociales, il y a les deuils, les mariages, les rencontres rituelles, même si le chef du gouvernement, sous très haute prescription du président de la République, a demandé qu'on les réduise au maximum. Je voudrais dire ici que c'est le seul moyen qui pourrait aujourd'hui amener rapidement le virus dans nos villages, où nous avons de nombreuses écoles et où les populations vivent encore dans une relative quiétude sur le plan purement sanitaire. Alors, tout cela dit, je voudrais rassurer les parents d'élèves en leur disant de bien encadrer leurs enfants. Parce que je suis sûr d'une chose, et c'est ce dont on a le plus peur, ils ne seront pas contaminés forcément à l'école. Ils viendront de quelque part d'autre de cette contamination et la propageront à l'école. Si, en partant des domiciles parentaux pour l'école, ils ne sont pas infectés en route, ils ne sont pas infectés dans les domiciles familiaux, ils ne transmettront pas la maladie. Parce qu'à l'école, aujourd'hui, à l'éducation de base, beaucoup plus sûre, les divers maîtres qui s'occupaient des autres classes, qui ne sont pas les classes d'examen, seront déployés dans les campus scolaires pour veiller à la discipline des enfants. Des mesures très spécifiques ont été prises. Par exemple, pour aller à la récréation, ce ne sera plus tout le monde qui sort au même moment. Et quand nous pensons que nous avons dans nos villages, dans certains coins de nos villes, des classes d'examen qui n'excèdent pas la trentaine d'élèves, nous avons de l'espace
C'est toutes ces raisons qui tiennent compte des réalités du terrain, qui nous ont fait dire à nos responsables que nous pouvons tenir ces délais-là et que nous pouvons assurer cet encadrement. Je voudrais donc terminer en rappelant à la communauté éducative qui est déjà très sensibilisée parce que les maîtres s'entraînent, parce que les directeurs d'école et les inspecteurs eux-mêmes ont commencé, avant qu'on leur donne le coup de main central, à désinfecter ces écoles. Les maires le font sans nous demander. Quand ils ne peuvent pas le faire, ils nous écrivent et nous prenons des mesures. Mais nous avons à faire face à un agent pathogène invisible. Nous devons donc faire des efforts pour mieux assurer l'encadrement physique de nos enfants, pour leur assurer l'accompagnement jusqu'à l'entrée de l'école où les membres de la communauté éducative prendront le relais parce qu'ils sont tenus de le faire, ils sont eux aussi parents. Parce qu'ils sont tenus de le suivre, parce que nous exigerons la plus grande rigueur dans cette discipline. Alors, nous n'avons qu'une seule chose à dire. Si les dieux de la nature le permettent, lundi prochain, nous devons ouvrir nos écoles en assurant le maximum de sécurité possible pour la rentrée de nos enfants. Les écoles privées ont eu également les mêmes échanges avec nous. Et je voudrais souligner la pugnacité des fondateurs d'écoles privées qui ont commencé à assainir leurs établissements avant le la qui était donné par le gouvernement. Je voudrais les remercier et leur recommander d'aller de l'avant. Ils ont toujours à côté pour suivre tout et pour les secourir l'administration, le ministère de l'éducation de base. Une question reste en suspens. Au-delà de toutes les mesures prises, il peut arriver que des cas se présentent. Au niveau de l'éducation de base, les autorités administratives, les maires et nos représentants régionaux ont été instruits pour que si d'aventure un cas survenait dans un campus scolaire sur un élève, qu'ils prennent tout de suite le relais pour acheminer la victime vers les centres où la prise en charge peut être assurée. Voilà, Monsieur le ministre de la Communication, ce que je pouvais ajouter sur tout ce que vous avez déjà eu à déployer, qui a été détaillé par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons parlé des spécificités de notre ordre d'enseignement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Éducation de base, Madame la ministre. Thank you very much, sir, and good evening to all the participants in this house. I will start by making an assertion. And that assertion is that it is nice to be in a country which is hopeful, that despite a pandemic, we can hope. It is good to hope so long as we live. I am proud to be a Cameroonian. I am proud to be led by a head of state who feels for the well-being of his citizens and who, when he thinks there is a lot of danger, can take a decision to close down the schools, a decision which might look as if it is wicked, and yet it is the best thing that you can do to safeguard the people, the citizens of that country. I'm proud to be
in Cameroon where we can actually look at the children and tell them, you will go back to school. Because we are in a country where we have taken the measures. Because one should ask oneself, we have a pandemic, but is it something that we can avoid? Yes. Granted, it is a pandemic. And how can you avoid it? You can avoid it if you take measures, measures that everyone knows. Of course, you will not avoid it if you just feel fine, feel very happy, and behave as if there is nothing. It is important for us to know that everybody is vulnerable in this, so long as we don't observe the measures. We are vulnerable. We should not look at the schools as the place where you can get the pandemic. As my colleague just said, my colleague of basic education just said, you can bring it from school. In fact, the Minister of Public Health already told us of two cases from secondary school in Cameroon a few months ago. These students were coming from home. At this time, there was a lockdown. What do I mean? I mean that the home, as well as the school, can be the point where you get the pandemic. And what does this mean further? It further means that everybody should be ready. The question we should ask ourselves is not whether the government is ready, whether we are ready. For once, let us be ready to accompany the government. The government is doing a lot, and that's why I am proud to be a Cameroonian at this point in time. The head of state has done a lot as an individual, not just because he is the head of state. We know the donations that he has done himself, financially and in kind. So he cares. And do we care? We have to give it back to him. This is the time for us to support the head of state and say that, yes, we want to go to school. And that you can get up in the morning and look at your child in the eye who has been asking you, Mommy, when are we going back to school? That is the experience. They have been so frustrated. They can't wait to go back to school. Can we tell them that, yes, you will go back to school? Or are we going to tell them, no, you are not going to go back to school? We are telling them that you will go back to school with the measures that we have taken. That is the assertion that I have and which I am passing on to you, that you all should have it. All parents should have it. Let us support the head of state. Let us move on and say our schools will be free, because free of the pandemic, because we want the schools to be free of the pandemic. That is the assertion. From that assertion, let me go to the other point, secondary schools. We are very sensitive because the numbers are there. The schools are all over the country, and everybody is looking at secondary school. They can never be ready, some people say. Some people say the government is not ready. What do you mean the government is not ready? Are you ready? Anybody who says that means that he is not ready, not that the government is not ready. For once, we have had wonderful collaboration from the parents.
I'm so proud of the parents of Cameroon. They are doing so much to ensure that the children who go to school will come back safe. They are buying the gadgets that they have to buy. They are contributing money for the buckets to ensure that there is water. In fact, they are doing everything that we have asked them. The Parent Teachers Association has shown a wonderful attitude. Our research, Ministry of Research, is doing wonders to show that they can contribute. And as you heard from my colleague again mentioned it, even our youths are producing masks. They are competing with more advanced institutions to pass the test from the standardizing agent so that they can produce sterilized material that others can use. If I had it here, I will show you what Lycée Colbison, the technical school in Colbison, is producing. So we are not just buying, but Minesec is also producing, and we have gadgets, thousands of those that we are keeping as reserve. Now, people should know that when you're preparing for a pandemic or a crisis, you cannot have everything that you need on the first day. So it's like, oh no, they don't have, I don't know, you want to have what the whole world has before you say that you're ready. Is that the right attitude? No. Tonight, we're receiving equipment from UNICEF. Tomorrow, we are still receiving equipment from UNICEF. On Monday, Minesec is receiving equipment from Orange Cameroon. Orange Cameroon is building toilets for people who don't have good toilets. I mean, there are things that we have to control and see the rate of consumption, and we'll continue to give the material as the weeks go. Why should teachers and parents be confident? Because we are working based on numbers. We have done the statistics. We know exactly what the numbers are that we are expecting. In secondary education, you're expecting a million, a little over a million. And we know that because you have that number, this is the number of gadgets that you have to have in order that the children should be safe. So why should the parents not be confident? I think we're all happy that we're going back to school. Although we are careful about the risks, but they say the risks go with the measures. Keep to the measures and you will be safe. Specifically concerning secondary education, parents should know we are reopening on the 1st, but on the 1st is not all the students who will come in. We're going to have the students of the level of baccalaureate and the students at the level of GCE A level. Those two higher level of students will be those who will come to the institution on the 1st, and the rest will come in on the 4th. Why? There's a reason for this. Because we want to use that first day and the ensuing 3 days to be sure that any other errors that happen, we correct them. So that's a corridor that we're using to correct it. And every parent should know that. Secondly, every parent should know that we are not going to be cooking food in the schools. Please help us by giving the children their snacks. No canteens will be open. We want to minimize
this contact. For those who are keeping students in boarding schools, they have an undertaking to do exactly what is required. And since they have taken that commitment, we are sure it will be done. Thirdly, all students who are coming to school know exactly where they are going as they come. We hope that even the parents will help us get the taxis that are bringing our children to our schools a little bit in order. Carry the right number of children in school to bring them to school. As we said, we don't want viruses from elsewhere into the school, just as you don't want viruses from school back elsewhere. All of us are vulnerable, and all of us have the duty to be alert. We are in red alert, but being in red alert does not mean that we leave the economic and academic aspects that we have to do to enable our country go ahead. Now, those measures that I call the protocol of Monday the 1st, all will have to observe them. And when you do them, then things will be okay. So I think that's my own way of reassuring the people. We are all looking forward to this day come June 1st, and we are all hopeful that everything will work well. Thank you very much, sir. Thank you, madam. Many thanks, Mr. Minister, and of course, to all the other ministers. We've heard their preliminary statements about the resumption of classes on the 1st of June. We will now take questions from the other panelists who are here this evening. I'm going to start with Mr. Ivan Bounoung from Cameroon Tribune. Merci beaucoup pour la parole donnée. Bonsoir, Monsieur le Ministre. La toute première question que je voudrais poser s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Éducation de base, le ministre Laurence Hergé Tundingwa. Elle est relative à la cargaison de matériel dont il vient de parler, qu'il vient d'évoquer. Ma question est la suivante. On sait qu'il y a le sempiternel problème de l'atteinte du destinataire du matériel. Et donc, quelle garantie pouvez-vous nous donner, Monsieur le ministre, que ce matériel atteindra effectivement les principaux destinataires de manière à pouvoir rassurer les acteurs de la communauté éducative et notamment les parents. Merci. Bien, je vous remercie. De tout ce que mes collègues ont dit, ça a toujours été un appel à la conscience et au devoir. Je ne pense pas que ce qui ont l'impérieux devoir de convoyer, de distribuer ce matériel, manqueront de conscience ou manqueront à l'appel du devoir. Et comme je l'ai dit, ces enfants qui sont dans les écoles sont nos enfants. Nous sommes leurs parents. Nous voulons leur bien-être comme nous voulons notre bien-être. J'ai dit que ces enfants sont globalement, sur le plan sanitaire, traités de porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils peuvent, ils portent le virus sans faire la maladie. Certains adultes sont dans le même statut, mais ils transmettent. En le faisant, en détournant le matériel qui doit les protéger, on se met en danger nous-mêmes, en tant que parents. On les met en danger, on se met en danger nous-mêmes. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, de mémoire de citoyen, je n'ai jamais vécu situation aussi préoccupante. Et nos autorités n'ont jamais été aussi désertes. Et je pense très sincèrement que la mécanique mise en place pour convoyer ces effets puisse souffrir de failles,
d'abord par la chaîne qui est chargée de convoyer. L'UNICEF qui a été évoqué ici est au Cameroun depuis longtemps. L'UNICEF a des régions où des programmes sont menés. Cette institution est installée dans ces régions. Elles sont au nombre de 6. Je peux les citer à l'est, le nord-ouest, le sud-ouest, la Damawa, le nord, l'extrême nord. Les cours en ligne, les cours typographiés, les cours modèles, ma collègue le sait très bien, ont commencé par être faits par l'UNICEF avant la crise, parce que ces régions connaissaient d'autres types de problèmes. Et l'UNICEF a pris la charge de convoyer toutes ces cargaisons. Nous sommes spectateurs jusqu'à l'arrivée au point de chute. Et ils sont organisés là-bas de la même manière. Ils ont des points focaux locaux qui travaillent pour eux là-bas. C'est eux qui vont faire la distribution. Au moment où je vous parle, ils nous ont remis des papiers. La distribution est déjà faite sur le papier. Nous n'avons absolument rien à faire. Donc, de ce côté-là, vous pouvez apaiser vos inquiétudes. Maintenant, ce qui est de la charge de nos responsables régionaux. Je vous ai dit qu'en venant à cette réunion, à ce point de presse, j'ai laissé des délégués régionaux avec leurs camions en train d'amener un certain nombre de matériels à eux destinés. Et globalement, ils sont comptables devant nos administrations et ils sont comptables devant le Premier ministre et le chef de l'État. Parce que au ministère de l'Éducation de base, où nous, nos enfants ne peuvent pas fabriquer, si nos collègues ne nous suppléent pas, nous avons mis le budget du ministère. Et nous avons acheté beaucoup de matériel. Si ces dotations budgétaires qui étaient allouées à d'autres tâches ont été réallouées au Covid-19, c'est parce qu'on voit la gravité. Donc personne, je suis sûr que personne ne pourra détourner ces choses à des fins, je ne sais pas quoi. Et globalement, quand je suis les médias depuis quelques jours, c'est pour ça que je soutiens fortement ce que ma collègue a dit. Dans les médias, bon, le gouvernement ne fait jamais rien, il n'est pas prêt. Alors, que ce qu'ils disent soit d'abord prêt. Parce que s'ils disent que le gouvernement n'est pas prêt, c'est eux qui ne sont pas prêts. Cette affaire nous concerne tous. Si chacun d'entre nous était capable d'encadrer sa famille pour tout ce qu'il faut dans cette pandémie, on ne parlerait pas du gouvernement. Mais le devoir du gouvernement qui incarne l'État, c'est de protéger ses citoyens. Et le chef de l'État était clair, nous devons tout faire. Mes collègues sont là, ils ne diront pas le contraire. Nous avons revu nos budgets. Nous avons réduit des dotations pour des tâches que nous ne jugeons pas véritablement des tâches primordiales aujourd'hui. Nous les avons réallouées à la pandémie. Et puis, je voudrais quand même vous dire une chose. Nous partons là pour la reprise des classes, pour une durée d'un mois, 3 semaines, 4 semaines, parce qu'il y aura les examens. Mais est-ce que l'école va s'arrêter? Nous devons reprendre l'école en octobre, comme le chef de l'État l'a prévu. Il faudrait qu'on soit prêt. Et c'est les mêmes choses que nous devons avoir. Alors, je voudrais vous rassurer, autant l'État fait de gros efforts à travers son gouvernement pour assurer la protection de ses citoyens, autant chacun à son niveau doit être conscient que ces efforts, et le chef de l'État l'a dit dans son discours, doivent être des efforts collectif. Nous devons être soudés en les faisant.
en disant pas que tel ne fait pas ceci, pourquoi nous on fait cela. Chacun à son niveau doit contribuer pour la santé de nos enfants, pour le bien-être du Cameroun de demain qu'ils incarnent. Thank you very much, Mr. Minister. We will now take a second question from Marlise Eno Mbaga Awono from CRTV Television. Merci. Bonsoir, Madame le Ministre. Bonsoir, Monsieur les membres du gouvernement. Merci de me passer la parole pour transmettre les préoccupations de bon nombre de Camerounais en cette veille de rentrée scolaire, une rentrée scolaire tout à fait particulière. Alors, certains parents disent, d'autres pensent même que la rentrée peut-être va être repoussée. D'autres disent même qu'ils ne vont pas envoyer leurs enfants à l'école. Tenez, j'ai un message devant moi, un message de parents. Il dit « Mes enfants ne bougeront pas lundi prochain ». Alors, je vais m'adresser là au ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Tundingwa, et au ministre des Enseignements secondaires, professeur Pauline Nalova-Lyonga. À quelques jours de cette rentrée, à quelques heures seulement de cette rentrée scolaire, de juin prochain. Est-ce que vous pouvez rassurer, vous l'avez certainement déjà dit, mais est-ce que vous pouvez rassurer ces parents encore sceptiques que leurs enfants ne pourront pas attraper cette vilaine pandémie ou alors ils ne transmettront pas cette maladie? Est-ce que vous avez pris toutes les dispositions possibles, tant au niveau des villes qu'au niveau des campagnes, pour que la transmission ne soit pas faite de façon exponentielle lors de cette lors de ces un mois de classe. Merci. You know, I wonder. But maybe I shouldn't wonder, because when you're in front of a crisis, you will always ask. That is, no matter how many times we say it, that question will still arise. We have given you the methodology that we are using to ensure that every child, and not just every child, every staff, member of staff of the schools, remember that the adults are even more vulnerable than the children. And yet we are making sure that everybody has all the rules that we're talking about. That we're talking about concerning children also concern the teachers. Everybody has to be aware. So if we have given you the methodology, we are encouraging you, we're telling them, bring your children. It is not going to serve any purpose to keep those children at home. The pandemic is not going away tomorrow. The pandemic is not going away tomorrow. We're going to start the next year on the 5th of September. What are you going to do? You're going to sit somewhere, get a telescope, and watch whether this pandemic is going away? It is going nowhere. It is going nowhere. So we have to have, if they have another, method of sending it away, let them bring it, put it on the table, and let us see. The thing is not going away. And we cannot let our economy die. We cannot let our children stay in the dark. Because in Europe, in America, all of those places, they are all having the same things. So what are we going to do? Sit back? That is a problem. The head of state, as I said, has shown the leadership. To beat this thing, you need leadership. And the leadership is there. We better follow it. Thank you, Madam Minister. Mr. Minister of Basic Education, if you would like to add. Je crois que ma collègue a donné la réponse idoine. On en a déjà parlé. Ces parents qui veulent pas, qui persistent, mais qu'ils nous donnent la recette. Qu'ils nous donnent la recette pour faire disparaître le COVID-19. Qu'ils nous disent comment il est venu. Et après, on saura aussi faire qu'il reparte. Ces citoyens qui veulent se mettre en marge de la légalité, sous le sacro-saint que les enfants sont exposés, chaque fois qu'il y a eu le choléra et le reste, qu'est-ce qu'on a fait? C'est les mêmes services sanitaires, avec les mêmes protocoles spécifiques à chacune des maladies,
qui ont été appliquées sous la coordination de l'État. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour une pathologie que aucun homme de science aujourd'hui ne connaît véritablement? Alors, à la fin, les parents sont des libres citoyens. Il est du rôle de l'État, du rôle du président de la République et de son devoir d'envoyer les jeunes Camerounais à l'école. Au moment où la pandémie est arrivée, il a dit stop, on arrête tout. Nous l'avons fait. Et tout ce temps, il faudrait que vous sachiez, nous n'avons fait que travailler avec Munici pour voir comment l'épidémie évolue. Et tout le monde s'est posé la question de savoir si l'épidémie ne finit pas, qu'est-ce que nous allons devenir? Il y a une chose que vous devez savoir, ces parents-là sont capables d'être... Ils travaillent, ils ne sont pas confinés sans aller au travail. Ils peuvent amener le virus à la maison. Pourquoi pensent-ils seulement que c'est à l'école que le virus va persister? Ils peuvent l'amener. Et je vous ai dit que ces enfants, le ministre de la Santé a des données, combien d'enfants meurent ici de ça? Si les enfants prennent le virus, ils le prennent de qui? Ce que nous devons dire à nos concitoyens, c'est qu'ils prennent les mesures qui sont édictées, qu'ils les appliquent en famille, qu'ils encadrent les enfants qui viennent à l'école. Le corps enseignant, les administratifs des institutions scolaires et universitaires ont leur devoir au sein de l'établissement. Et si chacun à son niveau fait ce qu'il doit faire, nous ne pouvons pas arrêter carrément la contamination parce que nous ne voyons même pas le virus évoluer, nous ne le voyons pas. Mais nous allons réduire les facteurs démultiplicateurs qui permettent au virus d'évoluer et de se transmettre. Nous sommes l'agent, les enfants comme nous. Je pense que c'est ce qu'on peut leur dire, mais qu'ils nous envoient ces jeunes Camerounais-là à l'école. Ils n'ont pas une école à eux, à part. Je suis entièrement d'accord avec ce que mes deux collègues viennent de préciser. Je voudrais ajouter ceci. Un parent qui dit « je n'enverrai pas mon enfant à l'école » n'aime pas son enfant. Il lui fait du tort. Parce que voilà des enfants qui vont donc rater le CEP et l'équivalent en anglais, qui vont rater le GCE, le baccalauréat, le BEPC, le CAP, et ainsi de suite. Et ces enfants, pourtant brillants, seront toute leur vie des enfants frustrés. Parce qu'ils verront des camarades qui étaient peut-être moins brillants qu'eux aller plus loin, aller au collège s'ils étaient à l'école primaire, aller à l'université s'ils étaient dans le secondaire, et ils sauront, mais tard, que leurs parents ne les aimaient pas. C'est extrêmement important de le dire sans embâge, sans fioriture, ces parents n'aiment pas leurs enfants. Deuxièmement, mes collègues l'ont dit, est-ce qu'ils sont sûrs que leur propre milieu n'est pas contaminé à la maison? Il y a des enfants asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils font la maladie, ils sont porteurs du virus, mais il n'y a pas de symptômes visibles. Les troubles respiratoires, le palu, la montée de la fièvre, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas médecin, mais on ne voit pas les symptômes. Alors, ils ont l'impression, là, ils vivent dans l'illusion, dans les chimères. Ils ont l'impression que tout est sain dans leur maison, alors qu'en réalité, ils ne sont pas sûrs qu'il n'y a pas de porteur du virus et que quelqu'un peut attraper ce virus à la maison. Qui plus est, ils envoient les enfants puiser de l'eau. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'à la borne fontaine, là-bas, c'est pur, va puiser de l'eau? La borne fontaine, tout le monde vient, on s'agglutine, on se dispute le robinet, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils sont sûrs que lorsqu'il a dit à l'enfant, va m'acheter des beignets en route, est-ce qu'il est sûr que là-bas, l'enfant ne va pas contaminer le virus? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite.
Non, il faut cesser. Ça, cela ressemble à de la mentalité prélogique. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus. On croit détenir la vérité et on impose cette vérité à un enfant innocent qui en pâtira pendant toute sa vie. On a eu des cas comme ça. Un parent irresponsable, au lieu de payer l'écolage de l'enfant, il préfère aller boire, aller s'amuser. L'enfant rate une année scolaire, deux années scolaires, et ses camarades sont devant lui. Et ses camarades disent, mais tu étais pourtant brillant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, ces parents-là, je le dis et je les regarde droit dans les yeux, ils me voient. Vous n'aimez pas vos enfants quand vous le dites, parce que vous êtes en train d'hypothéquer leur avenir. Nous sommes ici dans cette salle, nous pouvons parler. Parce que nous avons été à l'école. Alors, si vous dites, mon enfant n'ira pas. Et Madame le ministre de l'enseignement secondaire l'a dit, quand finira cette pandémie? Nous ne savons pas. Ça veut dire que l'enfant peut rester un an, deux ans, trois ans, quatre ans, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, sans aller à l'école. Mais c'est catastrophique, c'est dramatique. C'est même, je dirais, satanique. Pour un parent qui dit « mon enfant n'ira pas à l'école ». C'est-à-dire que cet enfant-là sera en fait un taré dans la société, un raté, et il ne pourra pas s'en sortir. Non, soyons sérieux, aimons nos enfants. Et je le dis parce que dans le supérieur, il y a des enfants qui ont le GCE à 13 ans, le bac à 13 ans. Et leurs parents peuvent leur dire, non, n'allez pas à l'université. Vous avez eu le bac l'année dernière, ou bien cette année, parce que les examens seront organisés, il y aura le bac, il y aura le GCE. Alors, 13 ans, n'allez pas. Non, ce n'est pas sérieux. Et puis, une jeune fille qui ne va pas à l'école, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choisir le petit métier, comme on dit prosaïquement. Non, vraiment, soyons sérieux. Le chef de l'État a pris des dispositions idoines. Il pilote cette affaire de manière pugnace, déterminée et même flamboyante. Ne le décevons pas. N'hypothéquons pas l'avenir de nos enfants. Alors, un parent qui dit à son enfant de ne pas aller à l'école, mais c'est son propre avenir qu'il hypothèque, parce que le parent vit à travers l'enfant qui prendra la relève après lui. Voilà le problème. Donc, il hypothèque l'avenir de l'enfant et il assombrit son propre avenir parent. Donc, vraiment, j'espère que définitivement, ce débat est clos et que, à mon avis, c'est de l'obscurantisme de dire « mon enfant n'ira pas à l'école parce qu'il va attraper le virus là-bas ». D'abord, vous le dites sans savoir s'il l'attrapera là-bas. Donc, mettons fin à cette supercherie. J'espère que les parents nous ont compris, nous écoutent et reviendront à la raison. Thank you, Mr. Minister. We will now take a third question from Mr. Jules Brice Ngaba, journalist with Le Quotidien et Le Pélican. Merci à vous de nous passer la parole. Rentrée scolaire et universitaire du 1er juin. Le gouvernement invite les parents à renvoyer leurs enfants sur le chemin de l'école. C'est l'un des titres qu'on pourrait voir dans certains médias dès débat matin. Mais je ne voulais pas laisser que cet échange programmé avec la presse s'achève ce soir sans que pour autant les personnalités que vous êtes et puisse apporter un éclairage à cette polémique qui enfle au niveau de l'opinion. Dans son adresse à la Nation le 19 mai 2020, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a promu l'union sacrée de tous les fils et toutes les filles du Cameroun autour donc de ce combat contre le Covid-19.
Et le ministre, professeur Laurence Tuzingwa, évoquait tout à l'heure la participation de la communauté éducative à cette lutte. Seulement, dans plusieurs médias aujourd'hui, il y a un groupe qui se fait passer responsable de l'association des parents d'élèves et enseignants du Cameroun et qui dit, qui prétend offrir donc des kits de protection aux élèves à cette rentrée. Et parmi ces kits, ils ont fait allusion des masques de protection que les parents devraient acheter à 1300 francs CFA. Monsieur le ministre, ils ont dit, ces responsables de des associations des parents d'élèves, que ces masques peuvent se laver 2-3 fois. Mais on sait que les cours, eux, courent sur 6 semaines. Question. Confirmez ou infirmez-vous que, effectivement, les parents devront débourser 1300 francs CFA pour acquérir pour leurs enfants des masques de protection concernant justement les 6 semaines de cours à venir? Monsieur le ministre, parole vous est remise. Je pense que cette question nous concerne en premier parce que nous ne fabriquons pas nous-mêmes nos masques. Mais j'ai dit que nous avons aussi la chance, la solidarité gouvernementale agissant, d'avoir des masques que les structures sous nos collègues, le MINSUP, le MINESEC, le MINERESI, fabriquent des masques qui sont à la norme, c'est-à-dire de bonne qualité. Je pense également que le gouvernement ne va pas se laisser infantiliser par des annonces de cette nature. Est-ce que si on donne les masques aujourd'hui, cela veut dire qu'on ne donnera pas demain? On est mobilisé pour ça. Alors, lorsque nous commandons les masques, parce que dans un premier temps, nous les avons commandés, maintenant que les institutions chapeautées par le gouvernement ont la technologie, il faut que ceux qui vendent les masques à ces prix-là sachent que on aura de moins en moins recours à eux. C'est la loi du marché. Moi, je sors d'un ministère commercial et un ministère d'affaires où j'ai été 12 ans. Donc, il faut qu'ils sachent ça. Il y a eu de la surenchère, nous avons fait des réunions autour du Premier ministre, où les ministres en charge de ces secteurs industriels et commerciaux ont pris la parole parce qu'ils ont été en contact avec les opérateurs. Chacun a donné les étapes qui font que le prix de revient du masque soit... Bon, maintenant que nous sommes capables d'en produire, on pourra diriger l'argent qui est disponible à un moment donné pour les masques pour encourager à acheter la matière première avec le MINESUP dans toutes les universités, les UIT, les facultés de sciences. C'est notre milieu, on le connaît bien, fabrique et qui sont de très bonnes factures. Ce que le MINERESI fabrique, ce que les lycées techniques et les ENIET fabriquent, c'est quelque chose de merveilleux. Nous, on a vu la qualité hier. En tout cas, ce groupe-là, s'il est vraiment une association des parents d'élèves du Cameroun, et s'ils aiment les Camerounais, c'est déjà bien qu'ils fassent don de ces masques-là à leurs enfants. S'ils ont des problèmes pour avoir la matière première, parce qu'ils travaillent aussi pour être rentabilisés, qu'ils amènent les prix qui soient capables de convaincre le plus commun d'entre nous. Bah, ils ne vont pas chercher des gros profits sur nos malheurs avec eux. C'est nos malheurs à tous. Alors, je voudrais seulement vous calmer. Ils peuvent faire leur marketing.
même si à certains moments on pense que c'est un marketing de mauvaise aloi parce qu'il y a du chantage dedans. Mais nous ne reculerons pas, nous avançons et je pense que si cette pandémie perdurait, on sera plus capable de demander les masques au privé parce que nos institutions produiront ces masques-là. Voilà ce que je peux dire. L'économie fonctionne sur la base de la loi de l'offre et de la demande. Cette association, j'espère qu'elle est philanthropique, mais je crois qu'elle est mercantiliste. Alors, cette association doit savoir qu'elle va offrir à un prix exorbitant des masques et naturellement, il y aura très peu d'acheteurs parce que c'est la loi de l'offre et de la demande qui est une loi classique en économie. Il y aura peu d'acheteurs parce que non seulement il y aura une grande offre, enfin, il y a une grande offre. Mon collègue Tundi Ngwala a dit tout à l'heure, venant du Minerésie, venant du Minesub, venant du Minesec, il y a des dons. Le gouvernement fait également beaucoup. En réalité, il n'y aura pas pénurie de masques. Alors, ceux-là vont donc offrir leurs marchandises, parce que c'est vraiment du mercantilisme. Et puis, finalement, il n'y aura aucun acheteur. Parce que le Camerounais lambda n'a pas le moyen d'acheter à ce prix-là. Voilà ce que je pouvais dire. Mais de grâce, qu'on évite, le président l'a dit, d'instrumentaliser. Les gens n'ont pensé qu'au volet politique. Mais il y a aussi le volet économique et commercial. Il y a des gens qui vont instrumentaliser cette pandémie pour se faire de l'argent d'une manière, à mon humble avis, relativement indécente. C'est le moins qu'on puisse dire. Thank you very much, Mr. Minister. We have one last question from Mr. Yvan Bounou from Cameroon Tribune. Oui, merci. Loin de vouloir muer le couteau dans la plaie, les Camerounais se posent la question. C'est sûr que le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, a clos le débat là-dessus. Il pose la question sur l'urgence qu'il y a à effectivement renvoyer les enfants à l'école alors même que le pic de contamination est croissant. Pourquoi n'aurait-il pas fallu attendre que la courbe soit décroissante pour que nos enfants repartent à l'école? C'est d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 6000 cas de contamination. La dernière question que je voulais poser s'adresse particulièrement au ministre de l'Enseignement supérieur. Sur les dispositions prises au niveau des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à une certaine insécurité, à une certaine instabilité sociopolitique, quelles sont les dispositions, monsieur le ministre, que vous avez prises à ces niveaux pour que les cours se déroulent désormais normalement? Merci. Merci. Je commencerai par la première question qui nous concerne nous tous. Est-ce qu'il y avait urgence? Oui, il y a urgence. Vous voyez, là où on a des centaines de milliers de morts, je ne vais citer aucun pays, mais vous les connaissez tous par cœur. Le déconfinement a commencé. Il y a même un pays qui a dit, nous commençons tel jour, puis il y a des maires qui se sont rebellés en disant, nous ne sommes pas prêts. Il y a même quelques enseignants qui se sont rebellés. Mais les cours ont effectivement commencé. Pourquoi? Parce qu'une année blanche, c'est ça. La conséquence de ça, c'est une année blanche. Une année blanche, c'est un échec pour l'ensemble de la communauté, pas seulement pour le gouvernement, parce que les gens croient que c'est le gouvernement. Non, c'est l'ensemble de la communauté. C'est un échec. Pourquoi? Parce qu'on retarde les chances d'ascension sociale de nos cadets sociaux. On leur fait perdre une année sans leur donner la garantie qu'ils pourront rattraper cette année dans le futur. Alors oui, il y a urgence. Et vous voyez que le gouvernement de la République a pris des dispositions pragmatiques
pour éviter justement la propagation exponentielle de la maladie. Le ministre de l'Éducation de base l'a dit, Madame le ministre des Enseignements secondaires l'a dit, je l'ai également dit très modestement, les mesures sont prises pour la sécurisation sanitaire des enfants dans le primaire, dans le secondaire, dans le supérieur. Ne pas aller en classe équivaudrait à ramer à contre-courant de la tendance mondiale. Vous avez vu, presque partout, là où il y a eu quasiment hécatombe, les cours ont repris. Alors, nous ne faisons pas du suivisme, parce que ça s'est fait là-bas, nous le faisons aussi. Non, le président de la République pense d'abord à l'avenir des enfants. Mais il ne les envoie pas à l'abattoir pour qu'ils aillent mourir dans les campus scolaires ou universitaires. Il a pris des dispositions pour éradiquer toute propension à la propagation exponentielle de cette maladie. Faisons confiance au président de la République. Il ne nous a jamais trompés. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Voilà en ce qui concerne la première question relativement à l'enseignement supérieur. Les dispositions prises dans le nord-ouest et le sud-ouest, je crois que vous voulez parler de la sécurité, ce sont des dispositions permanentes. Permanentes. Depuis la survenue de cette crise dans les deux régions, les autorités administratives, épaulées par les autorités sécuritaires, forces de défense et de sécurité, ont pris des dispositions efficientes pour éviter l'aggravation de la solution. Alors, je prends un raisonnement par l'absurde. Ces soi-disant ambazoniens, je crois savoir qu'ils vivent en brousse, même s'ils viennent se ravitailler, nous dit-on, la nuit, et puis ils retournent dans la brousse. Alors, une question, comment font-ils pour éviter la contamination en pleine brousse, dans la forêt ou bien dans la savane? Je serais bien curieux de savoir s'ils ne sont pas eux-mêmes des propagateurs de cette pandémie. Parce que sache pas qu'ils aient la possibilité de venir se soigner. D'abord, de se faire tester, d'être pris en charge au plan sanitaire et de respecter la distanciation. S'agissant de l'État, l'État a pris des dispositions pour que, même au plan sécuritaire, il n'y ait aucun problème. Je vous rappelle que les cours ont toujours lieu, puisque vous m'avez interpellé, est-ce qualité de ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, les cours ont lieu depuis la survenue de cette crise, dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, parce que les campus sont effectivement sécurisés. On note de temps en temps des cas de viol, des décapitations, ce qui est d'ailleurs barbare pour un mouvement qui se veut indépendantiste et qui veut promouvoir le développement des zones du sud-ouest et du nord-ouest. Ce n'est pas en violant une femme de 90 ans qu'on promeut l'indépendance. Ce n'est pas en violant une fille de 11 ans qu'on promeut l'indépendance ou l'autonomie. Donc, pour me résumer, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, il n'y aura aucun problème à la rentrée parce que l'État a pris des dispositions pour que ces deux régions, comme toutes les autres régions, vous auriez pu parler également de l'extrême nord où il y a de temps en temps des meurtres sporadiques dans les départements que nous connaissons tous. Mais globalement, la situation est sécurisée. Et il ne faudrait pas que les parents excipent de cette soi-disant insécurité pour ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Encore une fois, lorsqu'ils ne les envoient pas à l'école, ils commettent un crime contre l'éducation et ils trahissent leur aversion relativement à leurs propres enfants. En conclusion, ils deviennent des irresponsables
et ils doivent changer de mentalité. Je voudrais profiter du panel qui m'est donné ici pour parler un peu de ces histoires de pics et autres. Vraiment parler en scientifique, pas en médecin. Parce que c'est ce que j'ai aussi appris. Qu'est-ce qu'on appelle un pic dans une épidémie, dans une pandémie? C'est le taux le plus élevé d'une infection, puisqu'on est ici en épidémiologie. Alors, on peut revenir à la base sur le coronavirus qui est transmis d'un homme à un autre. Si nous respectons rigoureusement les mesures, il y aura un pic. Les valeurs que nous avons déjà eu à dépasser pouvaient être le pic, c'est-à-dire le plus haut niveau de la transmission. Si nous respections ces mesures. Quand vous regardez de par le monde, il y a des pays qui ont connu l'avènement du virus au même moment. D'autres ont carrément maîtrisé dans le même continent le degré de transmission. C'est-à-dire il est acceptable, parfois modeste, comparé aux autres. S'ils ont fait 5 mois, et si des pays qui ont connu le début de l'épidémie à la même période ont aussi fait 5 mois, et que les pics sont différents, en dehors des facteurs naturels qui peuvent influer sur le virus, et je l'ai dit, personne ne connaît encore la biologie, la physiologie de ce virus-là, on connaît les effets, parce que c'est ça qui est plus visible. Donc, en matière de pics, je voudrais tout simplement dire que on n'est pas assis en attendant le pic. Le pic arrive parce que les gens ne sont pas disciplinés et permettent la transmission du virus, à moins qu'il y ait d'autres agents vecteurs que nous ne connaissons pas. Si nous raisonnons sur ce registre-là, on va à l'école, on sait que le pic va arriver, mais appliquons rigoureusement toutes les mesures qu'on nous demande. Il n'y aura plus de multiplication. Ce sera un pic qui est peut-être à la valeur où on est aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse courir dans l'opinion l'idée selon laquelle, quel que soit le cas, même si vous respectez les mesures, il y aura un pic à valeur dramatique. Le pic peut aussi être une valeur qui est acceptable de tous, qui ne fait pas plus mal, qui donne un impact. Je ne voudrais pas citer les pays ici, nous suivons tous les jours. Moi, je parle en biologiste convaincu qui a fait virologie, qui a fait microbiologie en général, même si certains aspects thérapeutiques de l'infectiologie ne sont pas maîtrisés par nous, mais nous, c'est nous qui faisons ces cours-là sur le plan biologique. Donc, je voudrais tout simplement dire que l'épidémie est déjà là. Elle se répand beaucoup plus parce que nous ne sommes pas disciplinés. Tous les matins, quand je vais au travail, je regarde mes compatriotes. J'habite un quartier populeux où j'ai des infections devant ma porte tous les jours qui ont même atteint ma propre famille. Bon. Mais ce que je constate, c'est que l'approche distanciel dont on parle depuis le début n'est pas la chose la plus partagée. C'est clair. Quand je vois les compatriotes qui portent le masque sous le menton, ils le reprennent et mettent sur le nez. Ils s'arrêtent dans des zones qui sont encombrées, où il y a des poussières qui s'élèvent. Ils touchent des surfaces qui sont des surfaces de prédilection pour le séjour du virus avant qu'il n'atteigne son temps de létalité parce qu'il a une durée de vie, il meurt. Mais je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que le terme pic puisse créer une phobie parce qu'on n'a pas atteint le pic. On peut l'atteindre avec des cas vraiment minoraux aussi. Dans les pays où on l'a maîtrisé, le cas d'espèce du Covid
est tout simplement lié au fait que c'est un virus que nous ne maîtrisons pas encore. Ni la biologie du virus, ni son écologie, nous ne connaissons pas encore grand-chose. Et tous les laboratoires, toutes les institutions de recherche sont dessus. Jamais au monde on a vu une maladie dont les recherches sont aussi actives dans tous les continents en même temps. Ce que je veux dire, c'est qu'on finira bien par avoir un jour un traitement, on finira par avoir un jour un vaccin. En attendant, est-ce que nous allons nous arrêter de vivre? Il faut nourrir ce nombreux peuple qui est là et où tout le monde ne mourra pas en un jour. Et si on veut continuer à avancer malgré le Covid, nous devons aller à l'école. C'est la peur de l'inconnu qui a fait que toutes ces mesures soient prises pour qu'on commence à voir un peu plus clair. Et je voudrais très humblement dire qu'il faudrait que nous prenions conscience que ce virus est avec nous. Nous l'aidons à se multiplier. Nous devons tout faire pour le décourager de se démultiplier en arborant des comportements responsables. Bon, puisque les gens veulent parler de pic, la transmission à trois niveaux, nous sommes au niveau 2, c'est-à-dire communautaire. Bon, si elle se généralise, on va atteindre le pic comme on veut. Mais il y aura toujours, parce que c'est la survie du plus apte. Quand il y a ce genre de pandémie, et les plus aptes sont ceux qui respectent les règles, qui évitent que la transmission ne se généralise. Et ces règles de base-là, respectons-les, et on parlera des pics plus tard. Peut-être qu'il sera moins craint qu'il ne l'est aujourd'hui. I would like to add by saying that you would help us a great deal. All of these people who are speaking science, who are pretending to be scientists, peak and no peak and whatever, they should tell us when do they think Cameroonians will stop drinking in bars? Even when they say buy your drink and go home, you sit there on a table having fun without any respect to the disease. So those who are talking about peaks, what have they learned? What is it that is even causing, I mean, who are talking about the rise in cases, that is sick cases? What do they think is, what is it that is causing these cases to rise? They should not just talk, they should help the government by studying exactly what are the causes of the, they say we should wait until it goes down. When is it going to go down? You see what I mean? Let's not, let the papers not just take what people are saying, but let the people study what they want to say. Study the real causes. The real causes, as my colleague has said, is indiscipline. When is that indiscipline going to finish? And then classes begin. You know, it's a very doubtful thing. And let's not begin to create myths, and myths that will take us behind. But let us see what is it that is causing the thing to rise. And when it rises, what are we going to do? And if we are going behind, what are we going to do with the economy? Even the people who are saying stop are the same people who will be asking for money because they cannot find jobs. So this thing is very tricky. Let us be factual from what is happening in our own environment. And as I say, let's stop imitating this peak, whether it's a peak or not a peak. You know, we get all confused in these Western terms. Alors, je voudrais d'abord faire mien tous les arguments qui ont été soulevés, développés par les,
des membres du gouvernement, s'agissant de la question que vous avez posée, en relayant un peu le sentiment d'un bon nombre de nos compatriotes, à savoir, est-ce que il était urgent de décider la rentrée scolaire? Naturellement, parce que pour certains, on n'avait pas encore atteint le pic et qu'on voyait chaque jour augmenter le nombre des contaminations, etc. Et ceci, naturellement, créait une psychose parmi nos concitoyens. Vous savez, la question que vous posez s'agissant de l'urgence par rapport à la rentrée scolaire, on peut la rapprocher de celle que d'autres ont posée quand le président de la République a pris ces mesures d'assouplissement par rapport aux premières mesures qui avaient été édictées. On s'est demandé est-ce que véritablement c'était le lieu d'assouplir les mesures. Alors, vous savez, l'homme politique est bien celui-là qui apprécie les situations, qui est interpellé par des dilemmes et qui, naturellement, se détermine en fonction des enjeux. Dans le premier cas, nous avions deux enjeux. Celui, l'enjeu sanitaire, naturellement, avec la perpétuation de la crise, mais aussi l'enjeu économique. Alors, si on continuait justement à maintenir les mesures qui avaient été édictées en premier, on voyait bien les conséquences sur la vie socio-économique. C'est-à-dire qu'en fait, en croyant apporter une solution face à une crise sanitaire, on créait d'autres conséquences, d'autres problèmes sur le plan économique, ont créé les germes d'une crise économique. Et donc, que fait l'homme politique? Il regarde la situation et il fait la part des choses. C'est un peu ce que le président de la République a eu à faire en décidant des mesures d'assouplissement. Mais naturellement, il l'a fait avec des mesures d'accompagnement, justement pour à la fois prendre en compte le défi sanitaire et également le défi économique. L'ensemble, la panoplie des mesures qu'il a édictées sur le plan économique, le plan social, ont permis justement de faire la part des choses, de tenir compte à la fois du défi sanitaire qui continuait d'être une préoccupation et du défi économique. Car on a bien vu que le Cameroun ne pouvait pas s'accommoder durablement d'une situation où des grands pans, des pans entiers de la vie économique étaient pratiquement pénalisés. Et le demeure. Et tous ces pans prendront le temps de se remettre sur pied. Vous voyez, il y a des secteurs entiers aujourd'hui qui se sont ressentis de la crise sanitaire que nous traversons. Le secteur hôtelier est quasiment moribond, et bien d'autres secteurs. Il en est de même, je crois, sur le plan de l'urgence que vous posez, que vous soulevez, l'urgence de prescrire la rentrée scolaire. Parce que là, vous aviez des jeunes, des enfants, des étudiants, des élèves qui étaient en classe d'examen. CEP, BEPC, BAC, etc. Alors, si on ne prenait pas une décision par rapport à ces enjeux-là qui concernaient à leurs intérêts, est-ce qu'on ne courait pas le risque d'hypothéquer leur année scolaire? Bien sûr. Et c'était naturellement un préjudice vis-à-vis de ces jeunes. D'où l'appréciation qui a été faite
par le décideur, qui a donc pris en compte cet enjeu et qui a décidé de couper la part en deux, faire la part des choses. Nous n'allons peut-être pas, étant donné que la pandémie n'a pas encore été contenue dans des proportions telles que nous puissions nous permettre d'une décision qui refasse une année scolaire entière avec l'ensemble des élèves et des étudiants, on a décidé justement de faire la part des choses en ne demandant que on ne reprenne les cours que pour les classes d'examen, de manière à préserver l'année scolaire de ces jeunes qui, autrement, auraient perdu leur année scolaire, avec tout le préjudice que cela comportait. Donc, c'est la part des choses qui a été prise en compte, et le décideur, le chef d'État, qui a donc pratiquement pris sur lui de prescrire que les classes reprennent dans les prochains jours, si je veux, ne l'a pas fait comme ça sans des précautions. Les précautions ont donc été prises. Et ces précautions sont celles qui ont été rappelées tout à l'heure par les ministres en charge de ces différents secteurs, de manière à ce qu'on puisse tenir compte en même temps de la santé de ces jeunes qui doivent nécessairement reprendre les classes pour ne pas hypothéquer leur année scolaire. Et c'est ça le dilemme de l'homme politique. C'est ça la responsabilité du politique qui, naturellement, face à des situations aussi complexes, aussi difficiles, est appelé à prendre ses responsabilités. Et c'est ce que fait le chef de l'État dans sa grande sagesse et qui sait toujours faire la part des choses, qui ne va jamais dans les extrêmes, qui se situe toujours dans le juste milieu. Nous pensons que les décisions qu'il a prises s'agissant de l'assouplissement des mesures antérieures qui ont été prises au début de la pandémie, n'est-ce pas, sont aussi pertinentes que celles qu'il vient de prendre s'agissant de la rentrée scolaire. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que, mais je voudrais relier l'exhortation qui a été faite par les différents membres du gouvernement, adressée à nos compatriotes, adressée aux populations, aux parents, pour qu'ils envoient leurs enfants à l'école, qu'ils aient le courage d'envoyer leurs enfants à l'école et qu'ils fassent confiance au pouvoir public. Parce qu'il ne s'agit pas de les envoyer à Canossa, il s'agit de les envoyer dans leur propre intérêt, terminer l'année scolaire, naturellement, en tenant compte des mesures qui ont été prises par les différents responsables, les mesures barrières, que nous ressassons à longueur de journée en ce qui concerne le respect, n'est-ce pas, des mesures édictées par l'OMS et des mesures prescrites par le gouvernement de la République. On ne va pas les répéter. Je crois que tout le monde est parfaitement au courant de l'ensemble des mesures qui sont préconisées. Thank you very much to all the ministers who came here this evening. Before we go, we would like to go back to you, Mr. Minister of Communication, for closing remarks. Well, I would first of all thank my colleague, the ministers, Minister of State, and the two ministers for having spent this time with us and give us a good number of information and a good number of assurances concerning the preparation of the return to school of our fellow citizens. I thank them for coming, and I think that they have given assurances, and what we retain from what they have said is that, of course, we know that the pandemic is still there,
we should be aware of that. We cannot behave as if we have already won the battle against coronavirus. This is not true. But we have to adapt to the situation. And the president have decided that the school should resume on June, and we have just listened to the different reasons which have motivated that decision. I think the explanation given by all the ministers are quite pertinent. We have to deal with that disease. We have to deal with that virus just as we did with other viruses. I think we all know that at a certain time we were quite afraid with HIV. But I think life was not stopped because of HIV. And today, I think it has become something which is quite familiar. And we do with it. Like malaria and so on. And we think that coronavirus will be a forgotten a stake in the days to come. So, j'aimerais, comme je l'ai dit tout à l'heure, remercier les membres du gouvernement qui sont venus, qui nous ont donné toutes les raisons qui ont motivé la décision présidentielle de prescrire le retour des classes, la reprise des classes au mois de juin, et s'agissant surtout des classes d'examen. Je pense que les raisons qui ont été apportées sont des raisons tout à fait pertinentes. Nous avons tous suivi les membres du gouvernement, le ministre d'État, le ministre de l'Éducation de base, madame la ministre des Enseignements secondaires. Je pense que nous retenons que le gouvernement s'est mobilisé. Les dispositions ont été prises. Le gouvernement a entendu assumer ses responsabilités. Le premier ministre, chef du gouvernement, a à maintes reprises tenu des réunions de concertation avec les différents ministres en charge des différents ordres d'enseignement supérieur, secondaire, primaire. Et donc, aujourd'hui, la décision qui est prise n'est pas une décision prise au hasard. C'est une décision qui est prise en parfaite connaissance de cause, après que tous les aspects du problème, la problématique, ont été examinés. Et les assurances qui viennent de nous être données ne sont pas des assurances démagogiques. Je pense qu'en suivant le ministre d'État et Madame la ministre, Monsieur le ministre, vous avez pu noter comme moi dans leurs interventions toute la détermination qui a été la leur, la sincérité des propos qu'ils ont tenus. Et venant de personnes, d'hommes et de femmes qui sont parfaitement conscients de leurs responsabilités, qui savent ce qui se dit, qui sont à l'écoute de ce que des réactions de nos compatriotes, des commentaires qu'ils font, et qui se disent naturellement, au même titre que ces compatriotes, ils sont aussi des parents d'élèves, parents d'étudiants. Et ils ressentent, au même titre que tous ces compatriotes, la nécessité de préserver la santé des étudiants, des élèves qui vont à l'école. Et en tant que tel, mais aussi en tant que responsable de la République, ils assument la responsabilité qui est la leur de veiller à ce que les cours reprennent, que les examens soient passés par les jeunes qui sont en classe d'examen. Mais naturellement, tout ceci
après que toutes les précautions ont été prises s'agissant de la préservation de la santé, l'état de santé de ces jeunes. Donc je pense que au sortir de cette conférence de presse conjointe, nous pouvons nous féliciter de ce que le gouvernement de la République, à travers ses trois ministres en charge du secteur de l'éducation, le gouvernement a pris toutes ses responsabilités. Et le gouvernement entend assurer les populations, les parents, quant aux mesures qui ont été prises pour que cette reprise des classes se fasse dans de bonnes conditions et que le temps imparti à ces jeunes, apparemment un mois ou plus, que ce temps puisse être mis à profit et que peu de jeunes, ou sinon pas de jeunes étudiants ni d'élèves ne soient contaminés pendant cette période qui est quand même le dernier sprint vers la fin de l'année scolaire. Donc, encore une fois, je remercie les membres du gouvernement, je remercie également les professionnels des médias qui, à chaque fois, viennent à ces conférences de presse. Je suis certain que les arguments, les explications, les assurances qui ont été données tout à l'heure par les membres du gouvernement nous confortent dans le sentiment que la rentrée scolaire peut se faire au mois de juin, et ceci en toute conscience et en toute responsabilité. A closing statement from the Minister of Communication brings us to the end of this joint press conference of the Ministries of Communication, Higher Education, Secondary Education and Basic Education. We are thanking all the ministers here present, the Minister of Communication, Mr. René Manuel Sadi, the Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo, the Minister of Secondary Education, I beg your pardon, Professor Pauline Nalova-Nyonga, and the Minister of Basic Education, Professor Laurent-Serge Etundi-Ngoa. Also, many thanks to the other panelists, the journalists who posed the questions tonight, as well as those of them listening at this moment and also watching. Many thanks again, and here ends this joint press conference. Thank you.